Les wakeboarders sont prêts aussi sur la plateforme. Je vous le rappelle, ça va s'enchaîner à droite et à gauche. On va pas d'abord faire tout le snow et ensuite tout le wake. On va faire à droite, à gauche, à droite, à gauche par catégorie de couleur. Chaque rider faisant partie d'un team. Ils portent un dossard d'une couleur. Ils sont quatre. Ils représentent une couleur et se battent ensemble pour avoir la victoire ce soir ici à l'Angina Gleason Mix. On va commencer avec le snowboard. Tout en haut de cette rampe qui s'apprête à l'ouvrir. C'est le plus old school et le plus ancien rider des riders présents ici à Paris. C'est un Suisse, il s'appelle Jan Simon. Si son nom ne vous est pas complètement inconnu, c'est que Jan, à son palmarès, est le premier champion olympique de snowboard. Il a marqué l'histoire et son nom restera à tout jamais dans les tablettes de l'histoire du snowboard, étant le premier champion. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour lui ici, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on l'acclame, Jan Simon. Avec un mythique backside air comme d'hab. On va enchaîner tout de suite de l'autre côté. Ça va se passer comme ça avec le wakeboard. Alors que sur le wake se prépare Stefan Vollert, qui est surnommé The Fan. Ça va s'enchaîner très vite, il est déjà sur le retour du bassin. Les riders ont 1 minute 30 pour effectuer leur parcours aller-retour ou drop figure et landing sur le hip. I'm 2G, that's Gucci. I'm bossed up, they washed up. Hey, they that kush, I cough up. On va enchaîner avec un Hollandais avec le dossard gris, Steve Krishbolder, sur la neige pour le team gris. Stand up. Stand up. Allez, c'est parti. On le rappelle, tout est provisoire, il y a deux runs et puis on gardera les meilleurs pour une super finale. Allez, c'est reparti directement sur le wake avec Duncan Zur, lui aussi pour le team gris. To that boy. What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clap into that. Allez, c'est parti. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? Sur la pyramide. Moi, je vais vous retrouver en haut des coursives, histoire d'avoir une meilleure vue sur tout ça. Allez, c'est parti. Comme je vous l'avais dit, le wall, c'est vraiment leur obstacle de prédilection. Quelques mètres pour s'équilibrer, c'est parti. Ah, est-ce que les juges vont sanctionner durement ou pas cette main qui touche? On va le savoir dans quelques instants.